Chers curieux et curieux, bienvenue dans cette petite vidéo un peu faite à l'arrache, une fois de plus, désolé. Comme vous le voyez, je me trouve actuellement dans le décor sur un fond vert extrêmement mal géré, hein, ça frétille partout, ma main elle est coupée dès que je passe. Enfin bon, voilà, je vous passe les détails, je ne maîtrise pas encore cette histoire de fond vert, mais il y a du matos qui arrive et qui devrait régler ce problème. Nous sommes donc dans le décor du petit point d'interrogation. Nouvelle formule que je prépare depuis des lustres. Les plus geeks d'entre vous ont reconnu la référence, hein. Je n'ai pas inventé ce décor, j'ai juste un petit peu adapté, mais je vais pas m'éterniser là-dessus. Je voulais vous faire une petite vidéo parce qu'il se passe beaucoup de trucs en arrière-plan et vous, ben, vous voyez rien depuis mi-juillet en fait. Alors que je bosse comme un fou. Et donc, comme vous voyez rien, mes statistiques dégringolent, le Tipeee se vide, désolé d'être aussi terre-à-terre, et ben, je peux pas attendre d'avoir fini ce que je suis en train de préparer pour vous donner des nouvelles et un petit peu réanimer cette chaîne. Donc, je me suis dit, ben, on va leur montrer un petit peu où ça en est, ces histoires de petits points de machin, et puis aussi, on va faire un petit tour des questions que vous me posez très souvent en ce moment. Alors, on commence tout de suite avec Alan. Vous le savez, j'ai lancé un appel à l'aide pour le fils d'amis qui sont dans le sud de la France, qui est atteint d'une très grave leucémie qui était incurable. Alors il faut savoir un truc, c'est que si j'avais pas lancé cet appel à l'aide, alors je dis pas que c'est grâce à moi, machin, c'est pas du tout le cas, mais si je n'avais pas lancé cet appel à l'aide, maintenant, là tout de suite, Alan serait probablement mort. Je sais, c'est cru, c'est trash, mais il n'empêche que voilà. Il se trouve qu'en ce moment même, Alan est à Houston, grâce à vous, grâce au fait que vous avez été réactif, grâce à Astronogeek qui a forwardé la vidéo, merci Arnaud. Et ben voilà, Alan est en plein traitement expérimental, ça se passe plutôt bien, malgré le fait qu'il partait avec des chances pas super super, on parlait de 40 à 60% de chances de réussite. Je reçois des news au compte-gouttes, c'est encore trop tôt pour crier victoire, mais le simple fait qu'Alan soit encore en vie, en soi c'est déjà une réussite, et puis il a tout l'espoir devant lui, le traitement se passe exactement comme il doit se passer. Alors je sais que cette vidéo que j'ai faite à l'arrache, elle était très mal faite, je crois qu'on me l'a bien fait comprendre, je crois que la masse de trolls que j'ai reçue suite au fait d'avoir été en plus numéro 1 des tendances, bon voilà, je ne vais pas m'éterniser sur cette histoire, fait que je me suis ramassé un public qui a très vite conclu que la réalité était que cette vidéo était une arnaque. Négligeant complètement l'hypothèse que cette vidéo était simplement ce qu'elle disait qu'elle est, ce qui est le cas. J'ai donc pu assister à la naissance d'une théorie du complot que j'ai provoquée. Je vais certainement pas me déresponsabiliser par rapport à ça, vous savez que j'ai un petit côté, j'aime bien dire constatiste, hein, partir de ce qui est pour ensuite réfléchir et non pas se plaindre que mon utopie n'existe pas et critiquer les gens parce qu'ils sont pas en raccord avec mon utopie, je suis en train de m'égarer complètement par rapport à ce que je suis en train de dire. Donc, cette histoire, on en reparlera plus tard, surtout si Alan s'en sort, je me ferai une joie d'aller le voir je ne sais pas quoi, on verra bien. Je voulais surtout vous parler de tout ce qui se prépare actuellement pour la chaîne. Alors, il y a un épisode de Fake, ceux qui me suivent sur Twitter, sur Instagram, le savent, hein, sur Instagram je publie énormément de contenu visuel un petit peu en preview, hein, n'hésitez pas à aller jeter un œil. Et sur Twitter, je tweet en essayant de ne pas devenir un troll comme tout le monde, notamment au sujet de cet épisode de Fake. Je crois que j'en ai d'ailleurs teasé pas mal, je me suis un petit peu calmé par rapport à ça, parce que la vidéo elle va pas sortir tout de suite. Et pour cause, c'est une vidéo que j'ai commencé à écrire le mi-juillet, enfin oui, à peu près au même moment où j'ai lancé la vidéo avec Alan. Il y a 40 pages de texte, ça a été très complexe, il a fallu vérifier énormément parce que le sujet est un sujet que je voulais à la base débunker. Et comme disait je ne sais plus qui, finalement c'est le sujet qui m'a débunké moi parce qu'à force de vérifier, creuser pour trouver la faille, j'ai bien dû me rendre à l'évidence à un moment donné que non, c'était absolument pas une connerie cette histoire. Donc ça m'a pas mal chamboulé, et donc je me suis dit, là, il y a un truc duquel on ne parle pas assez, il faut que ce soit mis sur le tapis, peut-être je me trompe, peut-être il y a un truc qui m'est passé sous le radar. En tout cas, j'ai pris le pari de mettre la gomme sur cette vidéo, elle va faire 1h20,
Je lui apporte une qualité télévisuelle, du moins j'essaye. C'est-à-dire que j'aurais affaire à un vrai documentaire, en fait. Donc le truc qui habituellement est réservé au crowdfunding ou au financement par levée de fonds, c'est un truc classique. Là, je suis en train de vous le faire gratos, évidemment avec le soutien des tipeurs. Mais ça prend pas mal de temps, parce que je me suis donc infligé, déjà il y a 1h20 de vidéo, donc on y va correctement, 20 minutes d'animation. Alors 20 minutes d'animation, je crois que tous les motion designers sont en train de se dire « Mais il est fou !» Je suis en train de me dire ça aussi d'ailleurs, et ma femme ne me remercie pas de m'être lancé dans un truc pareil, parce que ça me fait énormément stresser, puisque la chaîne dort pendant ce temps-là, et que les stats dégringolent, et que je suis un petit peu le on a vraiment besoin de votre soutien, et c'est un petit peu stressant tout ça, donc c'est une des raisons pour lesquelles je fais cette vidéo d'ailleurs, c'est pour un petit peu soulager ce stress que je ressens par rapport à la chaîne, les stats qui dégringolent, alors que je bosse comme un taré en arrière-plan, j'en suis à je sais pas combien d'heures de travail, enfin c'est assez épouvantable. Je regarde toujours par là parce que j'ai pris quelques notes, et pour une fois je me suis dit je vais pas réciter un texte, puisque d'habitude oui je récite un texte que j'agrémente un petit peu, mais je me suis dit je vais improviser, je vais vraiment lire mes notes comme quand je faisais les aventures Saturday Man, c'était un petit peu comme ça que je faisais ces épisodes là. Nous avons donc l'épisode de Fake 13 qui arrive, je vais pas vous spoiler le sujet, mais je vais vous mettre un petit aperçu vers la fin de la vidéo avant de lire la fameuse lettre que je voulais vous lire. Par rapport à Versus maintenant, parce qu'il y a du neuf aussi du côté de Versus, ça fait des gigalustres que Edouard Broussalian m'a renvoyé sa réponse. Sa réponse dure 50 minutes. Il l'a d'ailleurs mis en ligne sur son compte YouTube, vous pouvez aller la voir, mais à mon sens, ça représente que peu d'intérêt puisque je n'ai pas répondu au truc. Et puis en plus, vous êtes nombreux à pas super bien raffoler du discours d'Edouard, alors que moi, je voudrais au contraire qu'on l'écoute et qu'on comprenne comment il fonctionne avant de le juger, avant de le contredire, etc. Enfin bon, voilà. De toute façon, le combat contre l'homéopathie, vous savez où ça en est, hein, le déremboursement est acté. C'est une petite victoire pour l'esprit critique. Je ne suis pas contre le fait qu'on prenne de l'homéopathie, mais j'étais donc contre le fait qu'elle soit considérée comme une science, alors qu'elle ne respecte pas les règles de la science. C'est tout. C'est pas plus compliqué que ça. Personnellement, j'en attendais pas plus, et je n'en espérais pas plus. Et je ne nourris pas l'espoir que tout le monde arrête de prendre de l'homéopathie, ça n'a aucun sens. Par contre, il se trouve qu'un nouvel invité pour Versus 5 a accepté mon invitation, c'est une phrase très mal construite. Je vais pas vous dévoiler qui c'est parce que il faut toujours qu'on fasse d'abord le premier épisode et qu'il le valide avant que j'officialise la chose. Il y en a déjà quelques-uns qui ont repéré parce que ça s'est un peu négocié dans les commentaires d'une vidéo, ce qui n'était pas très, très friendly de ma part d'ailleurs. J'en suis un petit peu désolé par rapport à ça, mais c'est vrai que j'avais essayé de le contacter en privé avant, ça n'avait pas marché. En fait, il n'avait juste pas lu parce qu'il a énormément d'abonnés, etc. C'est un truc que moi je vis alors que j'ai beaucoup moins d'abonnés que lui. Donc voilà, je vous tease pas plus que ça, mais il y a en tout cas un Versus 5 dans les cartons où on va enfin essayer cette nouvelle règle de 5 minutes maximum par intervention. Ce qui ne veut pas dire que toutes les interventions doivent se résumer à 5 minutes. Simplement, s'il veut plus de temps, il va pouvoir me dire « Bon, je suis à 5 minutes, est-ce que tu me donnes une vidéo supplémentaire ?» Et puis ensuite, ce sera à mon tour de répondre. Je pourrais dire « Bah oui, je te donne une vidéo supplémentaire, mais je vais quand même commenter ce que tu as déjà dit pendant 5 minutes. » Voilà, ça permet de temporiser, ça permet d'éviter les millefeuilles argumentatifs, ça permet d'éviter les interminables vidéos, autant de ma part que de celles de mon invité. Ça pourrait rendre Versus un peu plus dynamique, puis ça va nous forcer aussi à mieux synthétiser notre propos et à choisir ce qui est essentiel. Moi, je trouve que c'est une règle à tester. Mon prochain invité est dans de très bonnes dispositions, donc j'ai vraiment hâte de commencer ça aussi. Mais d'abord, je vais finir Fake 13, hein, parce que vraiment, cette vidéo est probablement la vidéo la plus importante de toute la chaîne, vu le sujet. Je l'ai déjà hautement teasé sur Twitter, je le redis encore ici. Moi, personnellement, le sujet de Fake 13 a profondément modifié mon quotidien. Voilà.
Je n'en dis pas plus, peut-être que ça modifiera le vôtre, peut-être pas, peut-être je vais faire un four, j'en sais rien. Comme toujours, j'essaie de prendre un peu de risque avec Fake. On revient rapidement sur le petit point d'interrogation. Donc voilà, là j'ai un petit problème de fond vert dégueulasse, j'ai un petit problème de caméra pas tout à fait au point, là vous voyez que c'est flou. Enfin bon voilà, j'ai plein de soucis techniques, je voudrais vous faire un setup. Il faut que ce soit facile à installer, là c'est encore galère, le fond vert pour le mettre, la lumière, le machin. Si je sais pas faire le petit point extrêmement vite, c'est-à-dire sans montage, avec le setup qui est prêt, les lumières, etc., où je ne dois pas me casser la tête à refaire des réglages à chaque fois, si je ne sais pas faire ce petit point-là, je ne le commencerai pas. Le petit point, ça doit vraiment être un truc qui ne pénalise pas les autres formats, en fait. Et c'était le cas avant, et c'est pour ça que j'ai arrêté, entre autres. On va aussi revenir sur les promesses que j'ai faites précédemment pour la chaîne. Alors, il y a les épisodes de Fake 11 sur la natalité. Vous me relancez régulièrement là-dessus. Ce sont des vidéos auxquelles je tiens. Ce sont des textes qui sont presque écrits entièrement. J'ai fait une grave erreur, c'est de promettre des vidéos dont le texte n'était pas encore écrit. Alors là, tous les YouTubeurs qui regardent, ne faites jamais ça. C'est une grave erreur. Surtout pour un sujet comme la natalité, que j'ai fait plus ou moins au moment où j'allais devenir papa. Ce qui m'a juste pulvériser mon temps complètement et je me retrouve un an plus tard à toujours pas avoir fait la suite de la vidéo. C'est un petit peu incomple, c'est un petit peu méta, c'est un petit peu sympa. Toujours par rapport à Fake 11, ce que je compte faire donc, c'est écrire intégralement le texte des trois prochaines vidéos, donc la vidéo sur la grossesse en elle-même, la vidéo sur l'accouchement et la vidéo sur les débuts de la vie de l'enfant. Donc on va même carrément aller jusqu'à parler d'éducation. Si. Donc voilà, une fois que j'aurai fini Fake 13, je nourrirai ces textes jusqu'à pouvoir sortir ces vidéos. J'y tiens, elles sont très importantes. En plus, il y a plein de sceptiques qui sont devenus papa. Et on s'en échange entre nous des vertes et des pas mûres. Par rapport à Fake 10, vous savez, ça c'est la série qui est réservée à mes expériences paranormales. Je n'ai sorti qu'un épisode pour l'instant, c'était l'épisode sur mon ovni. Je vous avais promis pour les 50 000 abonnés que je sortirais un épisode qui expliquerait pourquoi j'ai un 144 tatoué derrière l'oreille. J'y tiens aussi, c'est un petit peu moins important, mais après tout ça, je vais commencer à écrire cet épisode-là. Il y a des choses intéressantes à dire. Et puis surtout, j'aimerais pouvoir mettre un nouveau challenge pour les 100 000 abonnés hein, qui vont bientôt approcher. On est presque à 80 000 là. Proposer un Fake 10.3 sur un autre sujet qui concerne mes expériences paranormales. Mais je ne vais pas vous dire lequel pour l'instant. En plus, j'ai du stock. Hein. Je peux vous dire que ma période croyante m'a bien rempli la besace de truc exotique. Je dois absolument, parce que c'est vraiment de l'ordre du devoir, là. Je dois vous parler du Tipeee, qui se porte pas super bien. C'est-à-dire qu'on est repassé sous la barre des 1000 euros. Ça me met en difficulté. Voilà, c'est pas invivable, mais ça rend la vie un peu moins facile, et puis un peu plus stressante, surtout. C'est-à-dire que je suis là à me dire, est-ce que je gâche pas mon temps à faire cet épisode de Fake, alors que les petits points d'interrogation, bah oui, ça faisait monter le Tipeee, mais comme vous savez, j'étais pas en accord avec ce que le petit point d'interrogation rapportait. Donc voilà, je donne vraiment des nouvelles pour que s'il y en a qui sont dans l'hésitation par rapport au Tipeee en se disant « ouais, mais il fait plus rien », non, je fais pas plus rien, au contraire, j'ai même jamais autant bossé pour la chaîne. Vous savez, j'ai laissé tomber ma carrière dans le cinéma suite à la dernière expérience qui est de février à mi-juillet, qui m'a pris tout mon temps. C'est même assez miraculeux que j'ai réussi à sortir des trucs entre-temps. Ça m'a vraiment fait comprendre que c'était soit l'une, soit l'autre. J'ai choisi YouTube, parce que c'est franchement génial, YouTube, c'est tout. Et donc, là, je suis en train d'être pénalisé au niveau du Tipeee parce que je nourris énormément Fake 13. Donc voilà, je fais aussi cette vidéo pour ceux qui sont dans l'hésitation, n'hésitez pas. On n'est pas très loin des 1000 euros, un petit soutien, ça rendra mes soirées et mon endormissement plus cool, et donc bah, le lendemain quand je bosse, un petit peu plus motivant. Enfin voilà, c'est con, mais c'est comme ça que ça marche, hein. Je suis désolé, il faut savoir parler de ces choses-là. J'essaye, si vous trouvez que j'en parle mal, bah, n'hésitez pas à m'expliquer pourquoi, et j'essaierai d'ajuster mon discours. Peut-être que c'est déplacé, j'en sais rien. Ce sera à vous de me dire. Maintenant, je vais vous lire cette superbe lettre que nous avons reçue
nous, les vidéastes sceptiques, et je vais me mettre un petit peu d'eau avant ça, parce que sinon j'aurai la pâteuse. Allez, c'est parti. Bonjour, je vous envoie de moyennement longs messages parce que je ressens le besoin de vous transmettre ma gratitude et je pense qu'il est nécessaire pour vous de connaître l'impact que vous avez. Il est très facile de croire en des choses totalement surréalistes, mais qui vous donnent une drôle de sensation, une sensation qui vous réconforte, qui vous aide à avancer chaque jour, celle de détenir la vérité, d'avoir compris ce que la plupart des gens ne comprennent pas, de penser différemment. Ça, c'est ce que moi, j'expliquais par l'effet « à moi, on me la fait pas ». C'est une espèce d'effet qu'on a en commun, en fait, avec les tenants et les sceptiques, et qui est un petit peu la flamme qui nous meut. Bon, je commente la lettre en temps réel, mais on va je vais vous l'afficher, d'ailleurs. Hop. Tadam. Et là, il y en a plein qui essaient de regarder s'il n'y a pas des trucs, là, qu'on peut voir. Enfin, bon, voilà, je continue. Croire m'a beaucoup aidé et m'a beaucoup appris. L'ésotérisme a été une très puissante partie de ma vie. Je comprenais la magie, je savais que notre corps physique n'était pas la représentation de notre moi entier. Je savais que des êtres de lumière, vivant dans des dimensions différentes de la nôtre, veillaient sur nous, qu'ils nous observaient et nous guidaient sur la route de notre destinée, nous aidaient à comprendre notre mission et à la réaliser avec succès. C'est tellement facile de remettre ces décisions entre les mains d'entités mystiques omniscientes et d'une sagesse inatteignable par de simples humains. Si vous saviez le bien que ça apporte lorsque l'on est perdu, lorsque notre chemin semble disparaître et ne mener nulle part. Et là, je le rejoins vraiment parce qu'il y a des fois... Comment je peux dire ça simplement ? Il y a des fois, j'ai des vieux réflexes qui me reviennent du genre « T'as qu'à prier Dieu et je peux plus, en fait. » Et donc, c'est vrai qu'il y a une petite nostalgie, un petit... c'était quand même plus confortable avant. Là, maintenant, je dois faire face aux choses. Je peux plus m'en... Je vais dire déresponsabiliser, mais c'est pas dans un sens péjoratif. C'est plutôt dans le sens de déstresser par rapport à la responsabilité qu'on porte sur un choix à faire. Enfin bon, voilà, je continue la lettre. J'ai compris les dieux, les religions, la création. J'étais en parfaite harmonie avec le cosmos, l'univers. Je pouvais soigner les maux des âmes perdues avec ma voix, parce que j'étais un initié, un guide pour les néophytes sur la voie du savoir universel. Je savais que les vaccins étaient un poison délibérément inoculé par les élites Illuminati ou francs-maçons pour réguler la population, pour rendre les gens malades et enrichir Big Pharma. Je savais qu'on nous mentait sur plein de choses et qu'en vrai, la Terre était creuse. Oui, oui. J'aime beaucoup son utilisation du verbe « savoir » dans ce cas-ci. Parce que là aussi, nous, on a tendance à vouloir faire une distinction entre croire et savoir, mais elle est impalpable, cette distinction. Quand j'étais croyant, les choses que je croyais, je les savais aussi. Et au fond, qui suis-je, moi, maintenant sceptique, pour dire « Ah mais non, mais c'est moi qui ai la bonne définition du terme « savoir ». Et toi qui as la mauvaise définition du terme « savoir », en fait, tu crois, tu ne sais pas. Qui suis-je pour dire ça ? Donc j'aime bien le fait que... Enfin bon, voilà, je continue à la lettre. Oui, je reviens de très, très, très loin. Et encore, les quelques exemples cités ci-dessus ne sont qu'un fragment de mon système de croyances. Même si, je l'admets, à cette période, les psychédéliques étaient aussi une partie importante de ma vie. Et le sont encore, mais moins. Je ne peux pas ignorer les bienfaits d'une prise de LSD faite correctement sur ma perception, mon esprit. Bon, je vais m'inscrire en faux quand même sur ce passage. Le LSD, il faut savoir que c'est très, très, très dangereux, c'est une roulette russe. Ça peut déclencher, révéler des schizophrénies. Et je vous recommande de regarder le film A Scanner Darkly. Si je ne me trompe pas, je vous dis ça de mémoire, je n'ai pas vérifié, à la fin du film, dans les crédits, vous allez voir défiler une liste de noms. Eh bien, tous ces noms, ce sont les amis que Philip K. Dick a perdus. Soit en hôpital psychiatrique, soit en suicide, soit en schizophrénie, soit en folie, enfin voilà. C'est tous les amis qu'il a perdus à cause des psychotropes. Voilà. Et voilà, je ne vais pas m'éterniser là-dessus. Ils m'ont bien aidé à entrer dans le monde de l'ésotérisme. De plus, l'univers musical dans lequel j'évolue, l'empreinte des pseudosciences et des bidules magiques, des religions et de la bien-pensance est juste énorme, le milieu de la psytrance. Il n'y a pas que ce milieu-là, mon pote.
Il n'y a pas que ce milieu-là. Franchement, tout ce qui est... On se comprend. Je croyais vraiment à tout ce que je viens d'énoncer, et bien plus. J'ai lu des bouquins, regardé des vidéos, des films, usé jusqu'à la corde mon billet de confirmation. Puis un jour, je suis tombé sur la première vidéo d'hygiène mentale, sur le bébé avec un ADN à trois brins. Bien entendu, je savais que ce type ne comprend rien, il est trop dans le mental. Mais au fond, tout au fond de moi, une petite graine venait d'être plantée, à mon insu. Quelques années ont passé et la science me fascine de plus en plus, surtout la mécanique quantique, évidemment, qui dépasse complètement l'entendement d'une personne lambda. J'entends par là une personne sans connaissance réelle de la physique, mais ça dépasse complètement l'entendement même des personnes qui comprennent la physique, crois-moi. Et que les croyants ésotériques aiment tant. Puis vient y penser. J'aime. Puis astrologique. Ah, ce mec est tellement naïf à ne pas voir les complots, mais c'est quand même intéressant. Puis science étonnante, particulièrement la série Crétin de cerveau. Ah oui, en fait, je peux faire des trucs totalement what the fuck sans m'en rendre compte. Et ensuite arrive la nouvelle transition. Je découvre la tronche en biais, je redécouvre hygiène mentale. Mon esprit commence à reprendre conscience qu'il est capable de critique. J'ajouterais même d'autocritique, parce que ce qui est différent entre ce qu'on appelle le sceptique et le croyant, hein, qui sont deux mots clichés que je déteste, qui ne veulent pas dire ce qui... Enfin bon, c'est un très mauvais mot. À mon sens, la différence, elle réside dans l'autocritique. C'est-à-dire ce retour sur soi-même qu'on fait, on remet en question systématiquement ce qu'on considère acquis. En tout cas, c'est le vœu pieux que les sceptiques font. Et que le croyant ne fait pas. Le croyant place sa satisfaction de la vérification à très très peu de choses. Il ne pense pas contre lui-même. Il n'a pas une démarche de se mettre en situation désagréable, de remise en doute de ses convictions les plus fondatrices. C'est ça qui fait la différence en fait, hein, c'est rien d'autre. Je dois encore affiner ce discours. Bon, on continue la lettre. Je pense aujourd'hui que le véritable déclencheur a été la série de vidéos sur les crop circles, où je me suis rendu compte que les gens que je pensais éveillés, sages, connectés, étaient en réalité des charlots qui disent n'importe quoi. Alors, c'est pas très gentil, je vais pas appuyer sur ça, mais je le traduirai en... étaient en réalité des gens assez naïfs qui disent... ce que leur intuition leur dicte. C'est très déstabilisant de se rendre compte que notre savoir absolu et ultime n'est en fait qu'un ramassis de bullshit mis en avant par des charlatans. Charlatan encore, c'est un terme très risqué, mais bon, on va passer sur ce détail. J'ai ensuite commencé à lire Le Grand Tout de Sean Carroll, qui m'a aussi déstabilisé, puis tout s'est enchaîné d'une manière incontrôlable. J'ai découvert toute une cohorte de vulgarisateurs, tous plus bons les uns que les autres, qui ont littéralement brisé mes croyances, les unes après les autres. Monsieur Sam, dont je me sens particulièrement proche de par son parcours, qui est une des raisons pour lesquelles je vous lis cette lettre, Métachoc, je recommande aussi, Defecator, Un Mondrian, et j'en passe, et des meilleurs, je rajoute. Ma transition a été relativement courte, mais très intense. Je suis passé en quelques mois de « je dois équilibrer mes chakras aujourd'hui » à « ce que tu me dis me surprend beaucoup, je vais aller vérifier ». Et voilà, et là tu mets le doigt sur la différence essentielle. La situation de malaise dans le cas du croyant, elle est compensée par une croyance, c'est-à-dire un truc que la personne sait déjà. Alors que la situation de malaise... dans le cas du sceptique, elle est compensée par le fait qu'il nous manque quelque chose. Donc on va aller vérifier, on va aller chercher de l'information. C'est très nébuleux ce que je viens de dire, mais en tout cas, voilà. Il y a une petite idée là derrière qui me semble pas mal. Le plus difficile là-dedans a sans doute été de transmettre ces nouvelles informations à ma chérie, que j'avais allègrement endoctrinée dans mes délires métaphysiques. De voir disparaître nos valeurs mystiques qui nous ont tant rapprochés aurait pu laisser présager une divergence d'opinion si forte que vivre ensemble n'aurait plus été possible. Heureusement, avec beaucoup de délicatesse et un peu de stratégie, genre mettre en fond sonore des vidéos sceptiques pendant qu'elle fait autre chose, gnarc ! La transition s'effectue... Le gnarc, il est écrit, hein, c'est pour ça que je fais... La transition s'effectue aussi sur elle, plus lentement, mais c'est en bonne voie. Alors, juste un truc,
C'est toujours très compliqué avec les partenaires, en fait, la zététique. Hein. Il n'y a rien à faire. Il n'y a vraiment rien à faire. C'est très compliqué. Vous savez pas en off ce qu'on s'échange, mais je peux vous dire qu'il y a de très, 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 très grands vidéastes sceptiques qui ont en fait un partenaire qui n'est pas du tout dans le délire. Et il doit faire montre de tolérance et de compréhension et de prudence chez lui, dans son couple, dans son espace familial. Moi, personnellement, j'en souffre aussi à mon échelle. C'est-à-dire que faut bien comprendre que pour votre partenaire, c'est insupportable de se retrouver distancié sur le fait de savoir comment on produit de la connaissance. Réfléchissez à l'impact que ça a. Ça revient juste à dire que, quoi qu'il arrive, vous saurez mieux que votre partenaire ce qu'est de la connaissance. C'est insupportable, un truc pareil. Donc il faut faire très attention à ça. Déjà, à pas le croire soi-même, parce que c'est complètement faux, évidemment. Et puis ensuite, à pas le faire ressentir. Et croyez-moi, ça peut être un exercice très compliqué. En tout cas, c'est mon cas. Et j'en profite par là pour remercier ma compagne de tous les efforts de tolérance qu'elle doit faire à mon égard et de compréhension. Parce que, en plus, avec ça, parfois, je prends des grands airs. Enfin, bon, on n'est pas là pour faire notre thérapie de couple. Je m'en suis rendu compte lorsque nous avons visité le Crystal Castle en Australie, parce que c'est beau les cristaux, effectivement, dont le prix d'entrée était purement et simplement démentiel pour aller visiter un temple de la lithothérapie avec des merdiers magiques vendus extrêmement cher. C'est vrai que c'est cher, la croyance. Même le café coûtait le prix d'une pépite d'or. Dans ce magnifique endroit, lol, il y avait une machine pour prendre en photo son aura. J'ai été surpris que ma chérie ne trouve pas ça absolument génial, mais m'a regardé, dubitative, et est allée demander comment ça fonctionnait. Après une explication complètement what the fuck, elle me regarde et me dit « Mais c'est n'importe quoi !» Et là, à ce moment, j'ai remercié tous les vulgarisateurs que je regarde pour avoir induit cela. Sauf que c'est toi qui as induit ça, et c'est elle qui a fait l'effort. Faut pas oublier ce détail. Nous, on met à disposition les choses qu'on a apprises, par chance, par effort, par ce que tu veux. Mais après, c'est toi qui fais le boulot, hein. c'est pas nous. Même si effectivement, j'accueille ton merci avec grande joie, le travail, c'est vous qui le faites. Et d'ailleurs, tu es en train de nous l'expliquer que tout ça, c'est un gros travail. Et voilà ce qui se passe, voilà comment ça se passe. Bref, aujourd'hui, je me rends compte à quel point j'ai été crétin et peux même être arrogant, et peut-être même arrogant face aux ignorants de l'époque. C'est bien d'avoir mis des guillemets. Je me sens bête d'avoir pu adhérer à tant de choses sans jamais les remettre en question. Mais surtout, surtout, je vous remercie tous infiniment pour votre travail, de donner votre temps et votre énergie à soigner la psyché humaine collective, de savoir briser des croyances néfastes pour les remplacer, non pas par d'autres croyances, mais par une méthode qui permet d'accéder à la connaissance et de détoxifier son esprit pour le rendre plus clair et plus rationnel. Détoxifier me paraît un très bon terme quand il s'agit de parler de pensée. Donc juste pour ceux qui n'ont pas suivi, c'est juste parce que la détoxification biologique, ça n'existe pas. Les régimes détox sont tous fake, tous, sans exception. Le seul truc qui détoxifie votre corps, c'est votre foie, etc. Il n'y a pas de... C'est pas parce que vous buvez des trucs ou machin que vous allez vous détoxifier, ça n'existe pas. Voilà, désolé. Je pense sincèrement que votre travail est d'une importance capitale et primordiale aujourd'hui, au moment où des décisions majeures doivent être prises pour sauver l'humanité d'une catastrophe majeure. C'est pas si faux que ça. La transmission de l'esprit critique est fondamentale. Alors merci, merci vraiment de persévérer sur ce chemin qui doit être difficile et fatigant. La vache! Oui, c'est difficile et fatigant. Merci d'informer les gens et de leur apprendre comment s'informer eux-mêmes correctement. Merci de m'avoir potentiellement sauvé la vie et celle de ma chérie. C'est toi qui as fait le boulot. Merci d'avoir ressuscité mon esprit critique, de m'avoir appris comment débattre, comment transmettre une information, comment faire questionner quelqu'un sur ses croyances, comment ne pas croire n'importe quoi. Merci de m'avoir sorti de cette spirale infernale qu'est la pensée complotiste qui me consumait doucement, mais sûrement. Vous avez littéralement changé ma vie, et pour tout ça, je vous en suis éternellement reconnaissant. Oui, Thomas, je donnerai du fric quand je serai rentré de voyage, promis. C'est quoi cette histoire? Signé Dany. PS, si vous souhaitez partager ce message, vous pouvez le faire, que ce soit dans son intégralité ou tronqué, du moment que mes propos restent globalement les mêmes.
Alors, il se trouve qu'en plus de ça, j'ai demandé à Dany son autorisation, etc. On a un petit peu parlé sur, sur Facebook. Voilà, je voulais vous lire cette lettre parce que ça nous arrive d'en recevoir des messages comme ça, mais celui-là, il est vraiment magnifique parce qu'il montre vraiment tout le parcours qu'on espère créer, qu'on souhaite en fait à tous les gens qui croient. Et surtout, il montre un truc très important, c'est que le boulot des sceptiques, quand ils veulent raisonner l'autre, c'est pas de le faire raisonner en un coup, c'est de réussir à placer la petite graine que la personne elle-même va décider de faire germer. Mais si vous jetez une graine, aussi bien faite soit-elle, sur un sol complètement stérile, alors c'est tant pis, trop tard. Je veux dire, à un moment donné, c'est pas à vous de faire pousser la graine, ok? Vous semez la graine, et puis ensuite la personne, ben, il se trouve qu'elle va la cultiver ou pas. C'est ce que moi j'appelais placer des cailloux dans les chaussures des certitudes de la personne, qui est une expression que j'ai reprise à Anthony Magnabosco. Donc voilà, je tenais vraiment à vous lire cette lettre. Moi, ça me met du carburant dans le moteur, et je voulais aussi encourager ceux qui hésitent à nous écrire des trucs pareils. Faites-le, parce que entre nous, on se les échange et ça fait un bien fou. On ramasse tellement de trolls, tellement de critiques, tellement de menaces, tellement de remarques. On a tellement de soucis et d'inquiétudes par le boulot qu'on fait. Et encore, hein, c'est du caprice de riche, parce qu'il y a certains pays, encore maintenant, aujourd'hui, où le travail qu'on fait, nous les sceptiques, on risquerait notre vie pour le faire. Bon, là, c'est pas le cas, enfin, en tout cas, j'espère, mais voilà, un truc pareil, c'est mille fois plus important que tout le reste, en fait, que les vues, que les machins, enfin, voilà. C'était juste ça que je voulais vous dire. On est tous très sensibles à ce genre de message. Merci, Dany, de nous l'avoir communiqué, même si, une fois de plus, j'ai envie de te dire de rien par rapport à tous les merci que tu fais, mais surtout, et te féliciter, parce que c'est toi qui as fait ce parcours, c'est toi qui as fait ce boulot. Donc, voilà pour la petite lettre que je voulais vous lire. Je voulais aussi vous dire que, une fois que j'aurai... Ah, j'ai perdu ma page. Voilà. Je voulais aussi vous dire qu'une fois que j'aurai sorti tout ce que je viens de vous promettre, j'ai la ferme intention de me consacrer à l'entretien épistémique, c'est-à-dire tout ce qu'il y a à savoir sur comment optimiser vos chances de réussir à raisonner l'autre. Comment réussir à discuter avec les gens qui sont dans une croyance, même quand celle-ci est dangereuse, même quand celle-ci est contre vous, même quand la personne est énervée contre vous. Et comment réussir à rétablir le calme, s'en sortir, et maximiser vos chances, je vais y arriver, de poser cette graine au meilleur endroit possible, et de faire une graine la mieux configurée possible par rapport au sol auquel vous avez affaire. Il y a des techniques pour ça, je les étudie en ce moment aussi, quand j'ai un peu de temps. D'ailleurs, je vais donner une conférence, ma toute première conférence devant des gens au Skeptic in the Pub, il me semble que c'est le 17 octobre. Je vérifie tout de suite dans mon Google Agenda. Ah non, pardon, le 17 octobre, je suis au Festival des Libertés, sur scène. Je vais participer à un débat « Qu'est-ce qu'un fait ?» le 17 octobre, donc au Théâtre National de Bruxelles. N'hésitez pas à venir nombreux. Et puis, le 19 octobre, là, je donne une conférence sur comment raisonner l'autre, mais je crois que je vais essayer de trouver des mots encore plus simples pour dire ça, ce qui est une mauvaise question d'ailleurs, mais bon, c'est pas grave, ce sera une conférence dédiée justement à l'entretien épistémique. Ce sera mon premier pied dans ce travail que je compte vraiment délivrer sur l'année qui vient. Mais attention, force est de constater qu'il se peut que je change d'avis aussi, donc voilà, je vais arrêter de vous faire des promesses que je ne tiens pas. En tout cas, n'hésitez pas à venir, ce sera à la Petite Fleur de Papier Doré à Bruxelles, donc à deux jours d'intervalle. Putain, mais il serait temps que je me prépare et que je sorte cette vidéo, parce que j'ai encore rien écrit à l'heure actuelle. Et voilà, chers curieux et curieux, je vais vous laisser de ce pas avec un extrait de Fake 13, qui sera donc une vidéo sur... je ne vais pas vous le dire, mais je pense que ceci devrait vous mettre un petit peu la puce à l'oreille. Attention, et en plus comme ça, vous allez voir comme les animations sont très belles.
Je vais pas tout vous mettre, je couperai un moment frustrant. Voilà. C'est parti. Les cellules de notre corps, à ne pas confondre avec les molécules qui constituent les cellules, ni les atomes qui constituent les molécules, ni les particules qui constituent les atomes, les cellules donc ont principalement trois rôles. Constituer une bonne partie de notre corps, avec les protéines, les cellules sont l'unité de base du vivant. Parce qu'elles ne sont pas éternelles et qu'elles s'usent, nos cellules doivent se répliquer en se divisant, ce qui permet de garantir une certaine longévité au corps. Elles servent à fabriquer des protéines, c'est-à-dire les petites briques qui vont par exemple constituer nos cheveux, et aussi les petites machines qui vont faire une très grande partie du boulot dans le corps. On dit que les protéines sont les briques du vivant. Eh bien la cellule est un peu l'usine à briques faite en briques. Donc voilà, le premier point, c'est pas très compliqué. On va s'arrêter là. Vous avez vu quelle belle image. J'ai travaillé le truc. Voilà. Et voilà, chers curieux et curieux, c'était tout pour un petit point sur la chaîne. La prochaine fois que vous verrez cet habillage, ce sera pour le retour du petit point d'interrogation. On va dire que ici, c'était un épisode actu de la chaîne, hein, pour ceux qui ont suivi la série. Et voilà, j'espère que ça va venir vite, j'espère que ça va être bien, j'espère que vous serez au rendez-vous. Et je ne sais pas quoi dire de plus, chers amis. Portez-vous bien, n'oubliez pas de prendre grand soin de la méthode avec laquelle... Ah non, attendez, j'ai un truc à dire, vachement important. Il y a beaucoup de façons de faire de la zététique. En tout cas, il y a beaucoup de façons de la communiquer. Il y a beaucoup de pédagogies différentes. Il y a des pédagogies frontales, il y a des pédagogies non frontales, il y a des pédagogies... extrêmement tolérante, Christophe Michel par exemple qui fait un effort pour ne même pas toucher au sujet d'actualité. Même s'il y en a qui vont pas me croire, chaque pédagogie produit ses résultats pour un certain type de profil. Je pense personnellement qu'il n'y a pas une pédagogie qui corresponde à tout le monde. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui vont sortir de leurs croyances toxiques parce que quelqu'un aura été violent avec eux. Il y a des gens avec qui c'est ça qui marche. Je sais qu'on va pas me croire, je sais qu'on va me dire oui, mais ceux avec qui les chocs fonctionnent, la méthode douce aussi fonctionne. Je crois pas que ce soit vrai. En tout cas, les témoignages que je reçois des gens ne vont pas dans ce sens-là. J'en ai pas la preuve. C'est un truc qui pourrait être intéressant d'étudier. À chaque fois qu'il y a un zététicien qui est un petit peu agressif, qui mène une action un petit peu virulente, comme... Arnaud, qui a eu des propos très violents dans sa quatrième vidéo sur les crop circles, hein, où je ne sais plus quoi, il disait « Prochain qui me dit que le cancer se soigne avec des crop circles, il reçoit un coup de chevrotine dans le cul. » Bon, c'est pas mon genre, c'est pas le genre de gars comme Christophe Michel, mais il se trouve que Arnaud est auto-cohérent par rapport à sa pédagogie, c'est-à-dire qu'il n'a aucune illusion sur sa façon de faire, ce qu'on en pense et l'autre façon de faire possible. Je peux aussi citer l'exemple de la tronche en biais qui a voulu provoquer un effet Streisand en demandant à réuploader massivement une vidéo que une personne qui se trouvait dedans a voulu faire striker. Toutes ces actions-là, toutes ces façons de faire ne sont pas la zététique. Ces façons de faire sont astrologiques, la tronche en biais, etc. C'est leur méthode politique, c'est leur pédagogie. À eux, ça ne représente pas la zététique. Ce qui est la zététique, ou en tout cas la pensée critique, c'est notre dénominateur commun. Donc moi, je sais que c'est choquant de voir des attitudes comme ça quand on n'a pas ces valeurs-là. Personnellement, je n'ai pas réuploadé la vidéo de la tronche en biais parce que je ne suis pas en accord avec cette façon de faire. Mais qui suis-je pour dire que c'est pas la bonne façon de faire? La tronche en biais produit des résultats, elle est ce qu'elle est. Ma chaîne produit des résultats, elle est ce qu'elle est, etc. etc. On peut regretter... Le seul regret, en fait, c'est le déshonneur par association. Voilà. Ce qu'on regrette, c'est que vous finissiez par croire que la zététique est un milieu de gens pédants qui croient tout savoir mieux que tout le monde et qui sont, en quelque sorte, la police de la pensée. Ce n'est pas le cas. Quand on va sur Twitter, quand on va sur Facebook pour
pour dire aux gens qu'ils ont tort, ou débattre, ou présenter des contre-arguments, on ne pratique pas la pensée critique. On utilise la pensée critique pour faire une action politique. Quand la Haute Autorité de Santé rend son verdict au sujet de l'homéopathie, par exemple, hein, ça c'est une très belle comparaison, elle fait de la science, elle a étudié le sujet, elle rend son verdict. Mais derrière, quand un politicien décide qu'il faut dérembourser l'homéopathie, il fait pas de la science. Ok ? Il part du résultat fourni par la méthode, il en fait une conclusion, et puis il en fait une action. L'action n'est pas zététique. Elle n'est pas scientifique, elle n'est pas... Enfin voilà, c'est une action politique, c'est de l'opinion. Je suis triste, personnellement, et je sais qu'il y en a d'autres qui sont très tristes, que la zététique soit associée à quelque chose d'arrogant, à de la police de la pensée. Il se trouve que ceux qui ne provoquent pas cet amalgame sont plus silencieux que ceux qui la provoquent. Il n'empêche que voilà, toutes les pédagogies, quoi qu'on fasse, existeront. Les pédagogies frontales, les pédagogies agressives, les pédagogies non frontales, les pédagogies pacifistes, tout ce que vous voulez, l'entretien épistémique en fait partie. Toutes ces pédagogies, quoi qu'on fasse, elles existeront. Moi, je suggère que du coup, ben, restons groupés, restons amis par le dénominateur commun qui nous unit. Comme ça, le public comprendra mieux que ben, l'attitude de chacun n'a rien à voir avec la discipline, mais à voir avec chacun. Et ce qui nous réunit, c'est le dénominateur commun, la méthode. Voilà un petit peu ce que je voulais vous dire. J'espère que j'étais assez clair. Il se peut que je fasse une vidéo sur ce sujet. Les zététiciens sont méchants, voilà. Mais vous avez vu, j'ai du boulot par-dessus la tête. Et donc, je sais pas quand tous ces trucs sortiront. J'aimerais vraiment, vraiment, vraiment que ça sorte. Malheureusement, je suis tout seul aux commandes. Et tant que je serai tout seul aux commandes, ben, ça va pas pouvoir se faire. J'ai en projet, une fois que j'aurai atteint les 100 000 abonnés, de tenter les demandes de subsides, parce que psychologiquement, je me sens pas à le faire si j'ai pas encore le cap des 100 000. Ces demandes de subsides pourraient substantiellement me permettre d'engager des gens pour me soulager une charge de travail et donc vous fournir plus de contenu, parce que je fourmille d'idées et elles ne sortent pas, ça m'énerve, ça m'angoisse. Et pourtant, elles sont très bien, mes idées. Voilà. En attendant la suite, chers curieux et curieux, prenez bien soin de la méthode avec laquelle vous mettez des trucs dans le crâne. On se revoit bientôt pour cette super vidéo Fake 13. Je suis très excité à l'idée de vous la montrer en entier. Lorsque vous avez vu, c'était très didactique. C'est les trucs qu'il faut savoir pour comprendre le sujet. Hein, c'est pas le sujet en soi. On va faire une plongée extraordinaire dans le vivant et on va en ressortir, je pense, avec beaucoup d'espoir. Et je trouve que l'espoir, c'est un truc qui manque terriblement. L'espoir et le désir. Le désir de ce que... J'essaie de pas vous spoiler. Hein. Le désir que ce qu'on espère se produise. Voilà. C'est un petit peu ce que j'essaie de rétablir avec Fake 13. À l'heure où on s'engueule, à l'heure où on se menace, à l'heure où on se... Voilà. On verra bien ce que ça donne. C'était un plaisir de vous reparler. Je sens que je vais être très soulagé à l'idée que cette vidéo soit en ligne. N'hésitez pas à me soutenir sur Tipeee. N'hésitez pas à nous envoyer vos feedbacks si on vous a aidé, si on vous a fait du bien. C'est très important pour nous. Prenez soin de vous. Prenez soin de la méthode avec laquelle vous mettez des trucs dans le crâne. Et à très vite.